moi, j'aimerais qu'on regarde un petit extrait de l'adaptation de Dar, hein, qui est la scène avec Jacqueline Maillan dans Y a-t-il un Français dans la salle. Donc, on va regarder cette petite scène et vous nous raconterez cette scène après. Laisse ta jupe, allez! Non, attends, pour moi, l'important, c'est ça! Alors, toi, tu remontes tout ça, et toi, le fouille merde, tu vas flasher pendant que je brosse. Allez! Bon. Oh, oula! Regarde ça, il est pas beau le panorama. Il est bien lisse, on dirait le Mont Chauve. Eric! Allez! Allez, flash! Allez! Allez, flash! Flash! Allez, flash! Flash! Allez! Allez! T'as tout là ? Jacqueline Maillan, on ne l'a jamais vue comme ça. C'était une actrice extrêmement prude aussi. Ouais. Et avec vous, elle a fait les pires turpitudes. Oui, mais c'est-à-dire que Bourvil et Jacqueline Maillan, c'était une sorte de Bourvil femme. Et Bourvil avait une clientèle de catholiques, en fait. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait un film, il a fait un pilleur de tronc. Donc il a risqué... Mais Le drôle de paroissien n'est pas du tout un film cynique en même temps. Non. C'est... Mais il a risqué de choquer toute sa clientèle, en fait. Parce que Bourvil a démarré avec la clientèle du général de Gaulle, en fait. C'est-à-dire tous les Bretons, les Normands. C'était l'acteur des catholiques. Et il a osé faire un film sur les pilleurs de tronc. Et Jacqueline Maillan était, elle, l'idole, si vous voulez, l'égérie des femmes adultères du 16e arrondissement, c'est-à-dire des grosses mémères qui ont épousé un gros industriel et qui, l'après-midi, vont se taper un peintre ou un artiste entre 5 et 7. C'était ça. Et toutes ces pièces, c'est plus ou moins ça. Elle a un amant, etc., alors que physiquement, elle a pas, c'est pas du tout la fille. On se dit pas, tiens, va se taper un type dans l'après-midi. Mais c'est ça le 16e. Enfin, je dis le 16e, le 7e ou le 5e. Non, mais elle habitait le 16e. Je n'attaque pas spécialement. Elle avait 16e. Un appartement qui donnait sur le Trocadéro. Parce que Sacha Guitry, n'oubliez pas, était un homme du 7e. Et quand il racontait toutes ces histoires, qui sont toutes basées sur l'adultère, plus ou moins, quand il attend une femme chez lui, c'est une femme qui est mariée, etc. Il habitait à Élysée Reclus. Et moi, je crois avoir des points communs. Olivier Assayas a dit un jour, dans un éditorial des Cahiers du cinéma, il a dit que je ressemblais à Sacha Guitry. Personne ne me l'avait dit, mais il y a certains de mes films sur l'adultère, si vous voulez, qui ressemble à Guitry, pour lequel j'ai une adoration extraordinaire, d'autant que j'étais son assistant. Peu de gens savent que j'étais l'assistant de Guitry. Alors, une fois personne l'assistant le sait. L'assistant de Guitry, ça veut dire que vous alliez non, en mais vélo. J'étais l'assistant, j'étais un petit grouillot, un petit jeune, j'étais très très jeune, je portais des sandwichs. Mais ce qui veut dire, quand je dis que j'étais l'assistant, parce que moi j'ai des assistants aujourd'hui qui sont des stagiaires, ils pourront dire dans quelques temps. Ah ben j'étais l'assistant de Mocky, bien que pour le moment, ils font un petit peu de Ronéo, ils vont chercher un sandwich, ils vont porter un pli. Mais ils sont tout de même en contact avec moi et avec ce qui se passe. Et moi, c'était un peu le cas avec Sacha. On avait fait un film qui s'appelait Toa, alors qui a été tourné entièrement au Théâtre des Variétés. Et alors donc, on était au Théâtre des Variétés, je portais du café, je portais des trucs. Mais j'étais là, je voyais les choses. Et donc, je vous disais, donc, je parlais de, on parlait du français dans la salle, c'est ça dont oui, c'est parle. Ça. Oui. Alors, Maillan avait des points communs avec Bourvil, c'est-à-dire une femme très populaire, ayant une clientèle différente de celle de Bourvil, et là, elle est allée se faire baiser par Stevenin, avec Dutronc qui l'a photographiée en train de faire l'amour. Fallait le faire. Parce oui, que oui, ça, faut ça, connaître, ça, sa clientèle pouvait être choquée, cette clientèle
un peu huppé du 16e, voyant son idole faire ça. Et c'est là où le courage, après, dans les saisons du plaisir, elle a fait Minitel Rose. Et c'était une femme exceptionnelle. Et moi, c'était un des piliers de ma carrière, si vous voulez. C'est dommage qu'elle ait disparu, parce que les deux piliers de ma carrière, c'était Bourvil et Jacqueline Maillan. Et ils sont morts tous les deux. Et moi, je me suis à moitié effondré après leur mort, puisque c'était des gens qui acceptaient avec moi de faire n'importe quoi, n'importe quel sujet. Oui, parce que Bourvil... Vous lui avez fait faire des choses qui étaient totalement aux antipodes de ce qu'il était, de ce qu'il faisait, de ce qu'il représentait. Ils veulent tous faire ça, sauf certains qui ont peur. Parce que moi, après, je n'ai pas retrouvé, à part Serrault, Galabru, des gens comme ça, les autres sont craintifs. Par exemple, Bacri, j'ai tourné avec Bacri dans un film qui s'appelle Saison de plaisir. Bacri ne retourne plus avec moi. Catherine Deneuve ne retourne plus avec moi parce qu'ils ont peur d'une certaine contagion. C'est comme si c'était une maladie de tourner avec moi, c'est-à-dire une maladie. Mais c'est une maladie de tourner avec Jean-Pierre. Et ce qui fait que les gens ont peur d'en faire trop pour ne pas tomber vraiment malade. Parce qu'en fait, tourner avec moi, c'est ne plus tourner avec les autres. C'est un peu curieux comme truc. Mais c'est vrai que je représente un cinéma qui fait des références à des gens, comme je disais tout à l'heure, Kafka, Michaud, Swift, des gens comme ça. Alors, si vous voulez, Truman Capote, enfin on peut trouver des... Et aujourd'hui on ne fait pas ce cinéma-là. Alors, vous avez parlé de Michel Serrault, on n'a pas encore vu d'extrait avec Michel Serrault, on va voir un tout petit bout d'un film qui s'appelle L'Ibis Rouge. Ah, hein. Oui. On a gardé la toute première scène du film. Monsieur, je vous en prie, il faut absolument me rembourser ces jaquettes. À 80%, je ne peux pas m'en passer, absolument pas. Regardez quand je chante, ça se voit. Ah, regardez, je ne peux pas chanter. Je ne peux pas chanter sans mes jaquettes. Jérémy, tu te souviens quand tu étais petit? Le jour où sur la poitrine de ton professeur de piano, cette mouche s'est posée, l'occasion de toucher cette gorge de Mademoiselle Solange, qui te fascinait depuis si longtemps, hein, l'occasion. Hélas, elle s'est envolée. Avant que... Hélas. C'est l'heure de la soupe, mais je pense qu'on devrait pouvoir vous rembourser vos jaquettes à 80%. Monsieur, je vous remercie. Je vous enverrai deux places pour l'opérette. Oui, ben écoutez, L'Ibis Rouge, curieusement, est un des films qui la critique a le plus loué comme... Alors ça, c'est la toute première scène du film, hein. Oui, mais c'est un film qui a des... En fait, le film, je l'ai fait à cause de Michel Simon. Parce que Michel Simon, que j'adorais, était depuis longtemps mon ami, mais il n'avait jamais tourné avec moi. C'est le premier acteur important qui a vu un de mes films, qui s'appelait Snob, et qui l'a gardé avec lui. Il m'avait demandé à l'époque une VHS, c'était même pas une VHS, c'était un espèce de truc où il n'y avait que le texte. Et il avait adoré ce film, et quand plus tard je l'ai retrouvé, il cherchait toujours à tourner un film avec moi, et L'Ibis Rouge, c'était son quartier, le canal de l'Ourcq, la Talente, il était très proche de tout ça, de l'Hôtel du Nord, tous ces films-là, donc je suis parti de l'idée de chercher un film pour lui. Et puis après, j'ai connu Frederick Brown, qui était un auteur américain du style de Dashiell Hammett, Jonathan Latimer, des gens comme ça. Et il est venu à Paris et il avait ce film, cette histoire qui était parue dans la série noire. Donc on est parti de là. Ensuite, on a engagé Michel Serrault pour faire L'Étrangleur. Mais le thème, en fait, c'était la fascination des enfants pour les gros seins. En fait, il était parti de ça et en fait, la base des serial killers, quoi. Parce que les serial killers, c'est les mamelles des femmes qui les attirent, d'après des statistiques. Vous êtes un serial killer ou pas tellement? Moi, j'aime pas trop les gros seins. Je trouve que c'est trop. Hein. Russ Meyer adore les gros seins, mais moi, je suis pas Russ Meyer. Mais si vous voulez, mais la fascination des seins, ça vient probablement de l'enfance. D'ailleurs, dans mon dernier film, je cite une phrase. Alors, lequel le dernier film? Parce qu'il y en a tellement. Dans un film qui s'appelle
À votre bon cœur, mesdames. Alors, ça, c'est un titre que j'ai pris qui est mon dernier film où des vedettes féminines ont accepté de travailler à l'œil. Donc, il y a Sylvie Testud, Dominique Lavanant, Ariel Dombal, Elsa Zilberstein, Julie Ferrier, Valérie Ledoyen, Virginie Ledoyen. Il y a plein de femmes qui ont accepté de tourner dans ce film. Et là, on parle justement des seins. Et on dit que, en fait, les hommes aiment les gros seins à cause de leur maman qu'ils ont tété. Donc, ceux qui n'ont pas tété leur maman deviennent des serial killers. Ils n'ont pas touché le sein maternel. Michel Serrault, dans ce film, n'a pas tété sa mère. Voilà, non, c'est-à-dire, il est fascinant. Ouais. Lui, c'était le professeur de piano. On lui faisait donner des leçons par un professeur de piano qui avait une paire de nichons, mais surtout qui avait un décolleté. Et le décolleté, ça fait penser à une paire de fesses. Et en fait, ça devient très sexuel, finalement, un décolleté de femme. Et les enfants sont sensibles à ça. Donc, il ne faut pas prendre de leçons de musique avec des femmes qui ont des décolletés. En fait, ça revient à ça. C'est un conseil que je donne aux enfants. Oui. Mais bon, voilà. Alors, on va rester dans l'Ibis Rouge et voir justement cette scène, une scène avec l'un de vos autres acteurs fétiches, hein, qui est Michel Galabru, on peut dire, l'une de vos idoles, Michel Simon. Si c'est pas moi l'étrangleur. Mais non, c'est pas cette écharpe-là, puis tu n'as rien à la main. Mon Dieu, moi je crois que je pourrais trouver l'étrangleur. J'ai mes affaires et ça me suffit. Écoute, il faut que tu me rendes un grand service. Il faut que tu dises à tout le monde que c'est moi l'étrangleur. Il faut que tout le monde le croie. Tu débloques, Zizi. Je leur ai dit que j'ai des maisons, hein. Et même Margot, je veux m'acheter une maison. Moi, j'ai jamais eu une maison, je comprends. J'ai jamais eu des maisons. Alors, si je suis même pas l'étrangleur, comme ils vont se foutre ma gueule, je pourrais pas être ici. Et j'irai où? Mais enfin, pourquoi tu me racontes toutes ces salades, voyons, Zizi? Moi, je veux être quelqu'un. Si on me met en prison et que je suis l'étrangleur, tu comprends, tous les journaux vont parler de moi. Je rajouterai ma photo en première page. Et puis, je publierai mes souvenirs. Je garderai des millions de dollars avec un truc comme ça. Regarde Papillon. Hein, qu'est-ce qu'il a ramassé comme oseille avec des salades? Tu comprends, moi, je rencontrerai 10 fois plus. Et il y aura du pognon pour toi. Ça, tu sais, régulé en affaires, moi. Tu comprends? Sur l'écharpe, il y avait un oiseau. Il y avait un ibis. Où est-ce que j'ai vu ça? Où est-ce que j'ai vu ça? Ah! Votre femme, elle n'est pas là. Elle va revenir bientôt. Ah, sois gentil, petit. Quand ma femme reviendra, dis-lui que je l'attends près du manège à l'écluse, hein? J'y manque pas, monsieur Raymond. Commissaire, Boucher, le brigadier Barrault précise, nous aurons l'étrangleur, c'est une question d'heure, de minutes. Le commissaire, alors, il va venir vous arrêter? Soyez pas triste. Je viendrai vous voir en prison. Je vous apporterai des bananes. T'es gentil, mon petit. Non, c'est-à-dire que, si vous voulez... Vous avez reconnu la voix du journaliste à la télévision. C'est moi, oui. Non, parce que souvent, je fais des voix. Mais le problème de ce film, c'est qu'en fait, on a parlé, Michel Gondry adore le film. Et d'ailleurs, il me l'a fait acheter dans pas mal de télévisions. Mais Michel dit que c'est drôle de drame. C'est-à-dire, c'est un film dans la famille de drôle de drame. Et la différence entre drôle de drame et celui-là, c'est que celui-là a marché. Alors que drôle de drame, à l'époque, c'était trop particulier. En 1938, le film a été un échec total. On en est arrivé à dire que Prévert était un con. Moi, j'ai lu ça, d'ailleurs. Prévert était un con, disait-on, des critiques, d'ailleurs célèbres même, qui avaient dit que le film était nul. Or, aujourd'hui, Drôle de drame est un des films les plus vus et les plus mythiques. Oui. Alors, finalement, il y a des grands points communs entre l'Ibis Rouge et Drôle de drame, parce que Drôle de drame se passe dans une fausse Angleterre. Une Angleterre tournée au studio. Mais genre tantiage. Oui, alors, donc, mais il y a des personnages aussi cinglés que dans Drôle de drame. Donc, il y a deux personnages d'ailleurs qui sont extraordinaires, qui sont Mavros, là, le Poulain, qui était un très grand acteur. Le Poulain. Et Jean Le Poulain, moi, on l'a vu à la Comédie Française. Sa filmographie est extrêmement maigre, parce que c'est un homme qui était un homme de théâtre, donc tout ce qu'il a fait au théâtre, bon, ça a disparu, parce que le théâtre, bon, est moins conservé que le cinéma.
Mais au cinéma, L'Ibis rouge est un de ses rôles marquants. Et vous avez fait une scène d'ailleurs en hommage à von Stroheim Oui, parce que Stroheim, c'était un type formidable. Il faut avoir passé des soirées avec lui pour comprendre qui c'était. Mais en même temps, mes compagnons, si vous voulez... Racontez cette scène, justement, en hommage à Stroheim, où il n'y a que des gueules cassées. Il y a des gueules cassées qui font un dîner d'anniversaire. Chaque année, ils se réunissent et ils ont tous des problèmes, quoi. Il y en a un qui n'a pas d'oreille, l'autre qui n'a pas de main, le troisième qui est très pané, qui a une espèce d'appareil pour entendre, pour avoir sa conscience. C'est horrible, et ils font danser le Sirtaki à ce type qui ne sait pas danser. Oui, Jean Poulain fait un Sirtaki admirable d'ailleurs. Ouais. Mais c'est pas loin de Citizen Kane, parce que sans le vouloir, quand Orson Welles essaye de faire chanter sa femme l'opéra alors qu'elle est incapable de le faire, là c'est un petit peu voisin dans la mesure où le Poulain ne sait pas danser le Sirtaki. Ah, moi je trouve qu'il danse très bien. Oui, mais il le danse, mais on sait bien que c'est pas un pro. Il essaye de. Et alors, comment s'appelle le chef? Parce que le chef est un de vos acteurs fétiches. Oui, Michel Francini, c'est un clown. Ah non. Zardi. Non, dans L'Ibis rouge, le chef c'est Romoleux. Ah, Romoleux, oui. Ah non, mais lui, il est cuisinier là-dedans. Enfin, il vole. Il est le cuisinier de Le Poulain. Mais moi, c'est mon acteur fétiche, bien sûr. Mais alors, justement, parlez-nous de Romoleux et on va regarder tout de suite un extrait de L'Étalon. Hein. Et dans L'Étalon, Michel Serrault va trouver le député muet. Le député, on ne sait pas s'il est muet, mais en tout cas, il est joué par Romoleux et il a une façon de s'exprimer assez particulière. Mais il est muet dans le film. Logiquement, il est muet. Ce qui fait que, vous voyez, on a les trucs muets. Il y a eu muet dans le Miraculé, il y a eu muet dans L'Étalon. En fait, on l'a rendu muet parce qu'il était incapable de dire des grandes phrases en mole. Donc, on a dit, la solution, c'est qu'il soit muet. Comme ça, il saura le faire. Très sincèrement, monsieur le député, c'est un grand réconfort pour moi d'avoir désormais votre appui. Comme convenu, je vous montrerai comment fonctionne mon organisation. Mais vous savez, mes garçons présentent toutes les qualités morales et physiques. Oui, électeurs ayant accompli leurs devoirs, surveillance médicale constante, certificat de bonne vie et mœurs délivré par la justice de paix. Mais ce sera à vous de choisir les dames qui participeront à cette expérience. Oui, le résultat n'en sera que plus convaincant. Des femmes mariées uniquement. Ah. Pas de sujets évaporés. Je suis l'ennemi de la licence. Ce que je veux, c'est un coït ferme, sain et décontractant. Ah ! Bon, entendu comme ça, je vous attends à l'endroit convenu. Jeudi, n'est-ce pas ? Vendredi. Jeudi. Au revoir. Dans la cité de l'indicible peur, Il fait un des habitants. Il fait un habitant qui porte une espèce de grand manteau sur lequel vous lui avez mis un imperméable transparent, comme oui, ça se faisait à une époque pour protéger les manteaux en cas de pluie. Oui. Mais c'était un personnage très étonnant parce qu'il était très riche. Alors, c'est un peu bizarre parce qu'en général, mes acteurs secondaires sont des pauvres gens, des intermittents qui ne travaillent pas beaucoup, des trucs comme ça. Mais lui, c'était le descendant d'une grande chaîne de restauration. Là, je crois que c'était les magasins, des magasins, oui. Enfin, prise unique ou... Enfin, c'était ce genre-là. C'était pas forcément prise unique, c'était aussi... Ça pouvait être Félix Potin. Enfin, c'était des grands circuits comme ça d'alimentation, de magasins multiples comme ça. Donc, il était riche, ce garçon. Et ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai été à son enterrement, parce qu'il habitait à Beaulieu, il faisait un froid comme il a fait cet hiver. Et dernier gag, on l'a enterré au bord de la mer, dans le cimetière de Beaulieu, et son cercueil a glissé et tombé dans la mer. C'est qui est drôle en soi, mais qui est triste parce que je l'aimais beaucoup. Et j'étais très ému d'assister à ça, et ça s'est terminé par un gag. Mais, incroyable d'ailleurs, parce qu'un cercueil qui tombe à la mer... Mais vous êtes familier des gags dans les cimetières? Parce que je crois pour les obsèques de Michel Serrault, Jean-Michel Di Falco, qui était un de ses grands amis. Ah oui, non, alors c'était. Vous dites que c'était Di Falco. Pour moi, c'était l'évêque de Bayeux.
Enfin bon, c'est-à-dire qu'il y avait le cercueil de Serrault dans l'église de Honfleur. Il y avait M. Fillon, Mme Albanel, les officiels qui étaient venus jusque-là pour rendre hommage à Michel. Et puis, brusquement, il y a un type qui est arrivé avec un chapeau, une mitre, comme on en voit dans l'âge d'or de Buñuel. Et il a dit comme ça au cercueil, il a fait un petit discours, et puis il a dit au cercueil, Jean-Pierre est là. Alors moi, Fillon me regarde. Alors, il y avait Aznavour, mais il n'a pas entendu parce qu'il est un petit peu... Bon, alors, donc, si vous voulez, le problème... Alors, moi, j'ai regardé autour de moi, j'ai dit, mais qui c'est Jean-Pierre? Et c'était moi. Parce qu'en fait, l'évêque avait assisté au dernier moment avec un prêtre qui est connu, qui passe tout le temps à la télévision, qui était le confesseur de Serrault. Et dans les derniers moments, il paraît que dans ces derniers moments, il a parlé de moi. Et donc, voilà, il a parlé de moi parce qu'il y avait une espèce de, comment dire, de telle complicité avec lui. Et Bourvil, qui était venu d'ailleurs la veille de sa mort, témoigner à Tour Eiffel, donc ça, Drucker l'a passé l'autre jour à Vivement Dimanche, c'était une scène où lui était mourant, Bourvil, il est monté à Tour Eiffel pour me rendre hommage dans une émission qui m'était consacrée.